à sa plus petite expression. C'est ce que nos spectateurs souhaitent, qu'à chaque fois l'UFR soit victime. Alors à partir d'aujourd'hui, nous insurgeons contre cet état de fait et nous allons empêcher systématiquement toute assemblée générale jusqu'à ce que la vérité soit rétablie. Nous n'agissons pas comme les autres, mais nous aussi, nous affirmons, en tout cas d'une autre manière. Nous montrons vraiment au pouvoir en place que nous ne sommes pas d'accord. Si notre bureau exécutif n'est pas en mesure de leur faire comprendre, nous, jeunes républicains, à partir d'aujourd'hui, on ne se laissera plus. Ce qui veut dire que vous vous impliquez responsabilité au parti? Non, pas du tout. Seulement, nous constatons un silence coupable de nos, en tout cas de nos responsables. C'est ce que nous dénonçons. Sinon, le parti est victime. Et ils comptent avec tous les militants et les responsables. Mais ce que nous ne comprenions pas est que nos responsables restent à bras croisés. Ils ne disent rien. Ils ne lèvent pas. En fait, ils n'imposent rien. Ils ne commis presque pas. Ça, c'est décevant. Nous ne pouvons pas continuer. Ce qui veut dire que votre colère est due à la défaite de l'UFR. Pas la défaite. Attention, je vous l'ai dit tantôt, l'UFR a toujours été victime. Nous avons des militants sur le terrain. Ils votent pour nous, mais nous sommes victimes de ce système-là qui est là pour tout faire pour ne pas que l'UFR émerge. Et nous allons émerger parce que nous avons la base, parce que le peuple de Guinée est aujourd'hui assoiffé pour que cela change la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et la seule solution pour cela, c'est M. Sidiatou. Nous en sommes convaincus. Et vous estimez que l'UFR allait gagner dans la commune de Matamba? Écoutez, l'UFR a toujours gagné dans ses fiefs. C'est ça la vérité. Bien qu'on a été volé, Matamba, Kaloum, Matoto, on a toujours gagné dans nos fiefs. C'est ça la vérité. Bien qu'on a été victime de vol, je le réitère encore. Mais ce que nous ne cautionnons pas cette fois-ci, c'est de croiser les bras et de dire oui, Dieu va nous aider. C'est à nous de se lever pour que cette réalité change. Est-ce que c'est la meilleure manière de procéder ainsi? Ah, vous aurez préféré qu'on soit dans les rues comme les autres, en sacrifiant des jeunes Guinéens. Nous ne procédons pas comme ça. Nous sommes des militants civilisés, des militants éduqués. Et nous savons comment agir pour exprimer quand nous ne sommes pas d'accord. Je vous remercie. Oui.